tu l'as tué? Ma mère disait toujours, faut jamais tuer ce qui nous fait peur. T'as raison, j'ai eu tort. Tiens. Merci. On joue? Noir. Francs la partie. En 3 minutes. 5 francs, c'est mieux. T'as 2 solutions. Ou tu attaques, ou tu restes à l'abri, en attendant que je fasse une bêtise. Est-ce que tu crois que je vais faire une bêtise? C'est dommage. Si tu avais laissé le fou derrière le cheval, tu protégeais aussi la tour. Comme ça, tu étais à l'abri. Tu te faisais oublier comme un caméléon. Tu ne voulais plus bouger et tu pouvais me surprendre. Tu n'avais pas gagné. Hein? Mais tu n'étais pas mort. On fait la revanche? Moi, c'est Joseph. Joseph Katz. Et toi? Samuel. On m'appelle Sam. Maintenant, voilà bourré. Motele, la grosse spitz. Motele. Chante, chante. Là, t'es sur la défensive. Peut-être. Peut-être pas. S'il vous plaît. Échec. Et mat en 6 coups. En 6 coups? 1000 balles. Tu prends les risques pour le plaisir, mon petit. Pas pour gagner. 1000 francs, d'accord. Y a quelqu'un? 6 coups. Oh, ouais. Guten Tag. Sind Sie Herr Katz? Aber das gibt's ja nicht. Allez, Joseph!
sa voix. Sa voix et ses yeux. On ne peut pas oublier ça. Il s'appelle Rudi Guter, un officier SS. Ils ont tué toute ma famille, ça. Sous mes yeux. Un par un. J'ai pas réfléchi. Tu savais qu'il était encore vivant? Oui. Comment t'as pu attendre 50 ans? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Quand tu l'as vu, il a compris que tu l'avais reconnu. Il t'a menacé, il t'a sauté à la gorge, tu t'es défendu. Joseph, tu t'es défendu. Ne me demande pas de mentir, Sam, je pourrais pas. Mais tu feras un petit effort. Oui, Artois, c'est Bellamy. Passe-moi Cortés. Passe-moi Cortés. Qu'est-ce que tu fais, la prière des morts pour ce type-là? Non, pas pour lui, pour ma famille. Qu'ils reposent tous en paix maintenant. Il faut pas être 10 pour réciter le caddie. Arrange-toi avec la loi, moi je m'arrange avec Dieu. Oui, commissaire, c'est Sam. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous vous refaites le Veldiv? Ça vous manquait, hein? Je ne réponds pas. Allez, ça va, toi? Ouais, ça va, ça va. Didier, tu t'occupes des légistes? Sandra, c'est Bellamy qui amène le prévenu. Come! Mais qu'est-ce que tu fais? Va chez mon père. Il part en Israël dans 2 jours. Tu pars avec lui. J'ai des cousins là-bas. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. C'est pas possible, Sam. Tu peux pas. Ben, je peux pas. J'ai tué un homme, il faut que je paye. Attends. Sam, t'as pas le droit de faire ça. Attends. Thank you.
Marignan Taxi. 8352. Albert. Viens voir. Tu vois Matt en psycho, là? Alors? Qu'est-ce qu'il a fait pour t'attendrir, le vieux? Allez! Allez, allez! Tenez. Ah, parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas t'en tirer? Tu m'emmerdes, ça. Je pense à... Votre père, vous pourriez le coffrer, vous? Oui. S'il avait tué quelqu'un, ouais. Même s'il avait tué un nazi? Oh. T'iras raconter ça au procureur. En plus, c'est même pas ton père. C'est tout comme. Je le connais depuis que je suis môme. Oui. T'as fait sauter sur ses genoux, t'as payé ta bar mitzvah. Et alors? Bah alors j'ai fait une connerie, je dois pas être fait pour ça. Je démissionne. C'est toi qui as pas tout compris. Que tu te caches, j'en ai rien à foutre, moi. Ce que je veux, c'est que tu me le ramènes. Pour ça, je te donne 24 heures. Sinon, je t'envoie au trou pour complicité de meurtre. C'est clair, ça? Les rendez-vous, c'est au bureau, pas au bistrot, ok? Eh oui, Joseph! Ces machines-là, je les ai ramenées d'Algérie une à une, pièce par pièce. On a tout démonté. Et comment elles vont finir? Hein? À la casse. Aïe, 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 quel fils que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment est-ce qu'on peut choisir la police plutôt que le métier de son père et de son grand-père? Vous pouvez m'expliquer ça, vous? Non? Moi non plus. Je vais vous installer dans la chambre du petit, vous serez beaucoup mieux que dans l'atelier. Allez, c'est fermé, c'est samedi. C'est eux, ils sont dangereux. Il n'y a pas d'autre part. Venez, 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 dans la cave, ça donne sur la cour derrière. Enfin. Je vais appeler la police. Alors, oui, c'est le cas. Enfin. C'est que je vous dise encore. Helmut, gibt es keinen anderen Eingang? Nein, Mist. Allez, vite, Joseph. Voilà, vite, 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 venez. Tenez. Merci, Lucien. Merci beaucoup. Donnez ça à votre fils. Oui, oui. Allez, vite, 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 vite. Mon Dieu, ils vont casser la porte. Tu lui fais un permis de conduire aussi? Non, juste le passeport, je t'ai dit. On l'appelle comment? Feldman. Feldman? C'est bien pour aller en Israël. 1m70, les yeux bleus, environ 72 ans. Dans deux jours, ça va? Tu fous de ma gueule ou quoi? J'en ai besoin demain matin. Mais demain matin, c'est pas possible. Ça, c'est pas sérieux. Ou alors, c'est du bâclé. Démerde-toi. Il veut du bâclé? On fout, il aura du bâclé. Mais en Israël, jamais de laissons passer. Voiture 17, j'écoute. Mais ton vieux est aux urgences à Saint-Louis, on vient de l'apprendre. Quoi? S'il vous plaît, les urgences. C'est par là.
Ah, inspecteur, on vous attendait. Votre père a été agressé par deux types. Deux Allemands, dont un avec les cheveux longs et deux boucles d'oreilles. Où est-il ? Vous inquiétez pas, on va le garder en observation jusqu'à demain matin pour être sûr que tout va bien, mais il est juste un peu secoué, c'est pas grave. Je peux le voir ? Il est juste là à gauche. Ah, te voilà, toi. T'es devenu fou, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les manteaux cassés à l'atelier. Et à cause de qui ? Il est pour rien. Je parle pas de lui. Je parle de toi. Pourquoi tu l'as libéré ? Et au nom de quoi, toi, tu pardonnes ? Mais je pardonne rien, je pouvais pas faire autrement. Lui non plus, d'ailleurs. C'est toute sa famille qui l'a perdu. Quelle famille ? Ça fait 45 ans qu'il vit dans le quartier et on sait rien sur lui. Arrête, papa. Tu peux me dire ce que tu veux, tu l'as jamais aimé. Ça ? T'as jamais supporté qu'il soit mon ami. Ton ami, il a mon âge. Et puis, je suis pas le seul à pas l'aimer. Mais maintenant qu'il a tué un nazi, on va en faire un héros. Ça y est, t'as fini ? J'adore quand t'es jaloux. Il est où maintenant ? Mais j'en sais rien où il est. Il est parti ! Il est parti où ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Papa, qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce que tu fous ? Tiens, il a laissé ça pour toi. Dis un kadish pour moi. Merde. J'ai fait tout le quartier, je vais quand même passer chez lui à la brocante. Balancez son signalement à toutes les patrouilles. Faites les hôtels aussi, je reste en contact. Bien Qu'est-ce que tu fous là, hein? J'ai lu ton rapport, Artois, t'as rien à foutre ici, dégage. Ben, il a tué un homme, il a eu des remords, suicide au gaz et basta. C'est pas un suicide, c'est un meurtre. Ah, c'est pas des conneries, hein. Quand on dit que vous avez le sens de la persécution, vous. Bon, ça va, Artois. Touche Berrosson et Rémonçon. La Miron de Holmont, Vimrou, Romain. Gré, Cholomo, Rabot, Minch, Mayo. Si tu l'avais pas libéré, il serait encore en vie. T'as l'air mort, toi aussi, c'est ça. En fait, ce qui t'ennuie, c'est qu'il se soit fait sauter au gaz. C'est pas grave, ça. C'est comment on dit. Un détail. Où y a ces cholom, Oléinou, Vialcol Israël, Vimrou, Omein. Amen. Leopoldstein, Berlin.
Oh, le petit Sam. Bah alors, faudrait savoir. Tu démissionnes ou tu démissionnes pas? Qu'est-ce que tu fous là? Il y avait des scellés sur la porte. Vous savez, patron, à mon avis, c'est lui qui est pas très clair dans cette histoire. Et ça, qu'est-ce que c'est? T'as du nouveau? Tu sais que tu me fais bander, là? Bah, t'as pas été bien grosse parce que je sens rien. Dumont, venez voir. Ouais. Accompagnez donc votre collègue parce qu'il vient de se cogner. Allez, viens. Je te tuerai, salopard. Oh, qu'il y a des éléments d'extrême droite dans la maison, c'est pas nouveau, hein. Tu sais ce que j'en pense. Et tu crois que c'est en démissionnant que tu vas arranger les choses? Tiens, je vais te faire plaisir, je suis d'accord avec toi. C'est pas un suicide, c'est un meurtre. Donc je reprends l'enquête. Ah ouais? Tiens, ramasse-le. Seulement, t'as du boulot, hein, parce que t'as tout faux depuis le départ. Hein. Comment ça? On a eu des nouvelles d'Allemagne ce matin. Alors, pour soi-disant nazi que le vieux a buté, bah, tu vas rire. Regarde. Il était pas du tout nazi. C'est un communiste, un gros, un pur et dur, ex-Allemagne de l'Est, haut fonctionnaire du commerce extérieur, sans doute de la Stasi. Mais tu ris pas. Eh ben, t'as raison, parce qu'il était bien dans la merde. Et puis t'es tout seul. Parce que là, je peux pas te courir. Is it still the same address in Berlin? Yes, but hurry up. They're about to leave. They're selling everything, even the furniture. Okay, thanks for the tip. Dankeschön. Wiederhören. Bye. Das ist unbezahlbar. 100 Mark. Danke. Sie nehmen ihn gleich mit? Ja, bitte. Warte mal, ich halte Sie. Herzliches Beileid, Emma. Danke. Wie viel? Wie bitte? Das Bild, wie viel kostet das Bild? Nein, nein, tut mir leid. Sie können kaufen, was Sie wollen, aber das nicht. Mich interessiert nur der Rahmen. Nein, nein, entschuldigen Sie. Und? Es läuft gut. Ich denke, wir werden alles verkaufen. Entschuldigung? Moment. Ja. Ja, ich komme. Sie wollen was genaueres über das Stück wissen. Kann ich mal näher schauen? Können Sie mir sagen, aus welchem Jahrhundert der stammt? Das finde ich doch ganz besonders. Ja, wissen Sie, ich sammle ein sehr altes Stück. Darf ich das mal näher anschauen, bitte? Wenn Sie wollen. Vielen Dank, ich überlege es mir noch. Wir sehen uns später. Was wünschen Sie? Oh, excuse me. Deutsch nicht sprechen.
This is from Cuba. It's a lovely bronze bust. I'm not a very big fan of Fidel. Are you related to Mr. Gutter? His daughter. Why? I'm Detective Bellamy. I headed the investigation about your father's death in Paris. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous venez faire à Berlin? Was los? Das ist der Bulle aus Frankreich, der den Mist über meinen Vater erzählt hat. Ich weiß nicht, was er will. C'est une démarche officielle, monsieur? Non, non, pas vraiment. Pourquoi vous vendez tout? Vous êtes embarrassé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Vous avez l'air pressé de vous défaire du passé. Vous savez, monsieur... Bellamy. Monsieur Bellamy, le rapatriement du corps et l'enterrement ont coûté cher, alors vous comprenez? Depuis qu'on a le droit à la liberté, comme vous dites chez vous, tout s'achète. Même la terre pour enterrer nos morts. C'est votre père sur les photos, là? Oui. Honecker, Tito, Brezhnev. Il y a du beau monde, hein? Ceausescu. Il n'a pas une avec Hitler? Sortez d'ici. Raus. Raus! Permettez. Vous n'avez pas honte? Elle vient d'enterrer son père. Oui, c'est vrai, j'étais un peu brutal, mais je voulais voir si elle savait. Comment ça? Pour son père. Vous dites n'importe quoi, vous les Français. Vous croyez que tous les Allemands sont nazis? Non, mais passé un certain âge, on est en droit de se poser la question. C'est moi que vous insultez, là. Rentrez chez vous, laissez-moi tranquille. Non, pas avant de savoir. Savoir quoi? Pourquoi vous mentez, vous aussi? Écoutez-moi, jeune homme. En 47, ici à Berlin, on m'a chargé de former les cadres de la future Allemagne de l'Est. C'est là que j'ai rencontré Gutter. Et c'était le communiste le plus convaincu que j'ai connu. Alors, je vous en prie. Comment vous les recrutiez, vos élèves? Ils sortaient d'un camp de prisonniers, c'est ça? Exactement. Et alors? Et alors, ça vous vient pas à l'idée qu'il peut y avoir quelques SS cachés dans le lot? Peut-être, oui. Mais pas Gutter. Bonsoir, monsieur. Il pleut chez vous? Il pleut, hein? Vous êtes têtu, hein? La guerre d'Espagne et puis la résistance en France. Et en 46, au lieu de rester à Paris, j'ai traversé l'Europe à pied pour rejoindre Berlin. C'était un projet formidable, l'Allemagne de l'Est. Mais on va où, là? On va chez des gens? Non, non, c'est chez moi. C'est peut-être bizarre, mais c'est ici, chez moi. Pas de la gueule, hein? Vous êtes toujours communiste? Cette maison était au Gutter depuis des années. À la naissance d'Emma, on était 11 familles à vivre ici. C'est moi qui lui ai appris le français. Et puis, avec le temps et les fuites d'eau, tout le monde est parti. Moi, je suis resté. La vie de château, quand même, non? C'est à cause des tableaux que ton brocanteur a tué Gutter. Quel tableau? Ceux que les nazis ont volés aux juifs pendant la guerre. Hitler voulait faire un immense musée à Linz. Tu savais pas? Non. L'Allemagne de l'Est en a hérité d'une bonne partie. Gutter était au commerce extérieur en 60. Quand on a eu besoin de devises, le gouvernement lui a demandé de faire passer à l'ouest des toiles que des antiquaires revendaient sous le manteau. J'ai même servi d'expert pendant un temps. Vous avez participé à ce genre de choses, non? On vivait mal à l'époque. Remarque, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis, c'était pour la cause.
L'année dernière, après la chute du mur, Cutter s'est retrouvé sans rien. Emma a perdu son travail, c'était une catastrophe. Mais bon, ce qu'on n'y a pas à dire. À mon avis, il est allé à Paris pour récupérer de l'argent. Il s'était mis à travailler pour son compte ? Sûrement. Mais ça tient pas debout, Cutter n'a jamais vendu de tableau. C'était un petit brocanteur de rien du tout. J'ai connu des clochards qui avaient des fortunes dans la doublure de leur manteau. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Eh bien, on va chercher. Hé, hey, reviens me voir quand tu veux, hein. Zwei Kaffee, ein Schnaps und 2 Cent, bitte. Ja, komm sofort. Guten Morgen, Fräulein. Ich möchte gern frühstücken. Qui vous a dit que je travaille ici? Hermann, il m'a tout raconté. Je voulais m'excuser pour hier. Guten Tag, RTL aktuell mit letzten Nachrichten zu den politischen Ereignissen am Persischen Golf. Der Irak hat heute Morgen in einer Art Blitzkrieg das benachbarte Emirat Kuwait überfallen um 3 Uhr morgens Ortszeit. Das ist 1 Uhr unserer Zeit. Überrannten Tausende von Soldaten und Präsident Saddam Hussein mit 350 Panzern. Qu'est-ce qui se passe là? Saddam Hussein envahit le Kuwait ce matin. Merde, c'est pas vrai. Je peux téléphoner? Merci. J'ai envoyé mon père là-bas il y a 2 jours. Au Koweït? Non, enfin dans le coin, en Israël. Je vois pas le rapport. Israël, c'est à 2000 km du Koweït. Mais alors? C'est comme si la Finlande déclarait la guerre à la Norvège et que vous aviez peur pour vos amis en Suisse. Vous êtes fort en géographie, mais vous connaissez pas mon père. Allô, papa? Oui, c'est moi. C'est la guerre et attends. C'est maintenant que tu m'appelles. Attends, j'y suis pour rien, c'est quand même pas moi qui ai envahi le Koweït quand même. Mais non, mais t'as aucune raison de... Je sais pas, c'est comme si la Suisse attaquait l'Espagne et que tu t'inquiétais pour tes amis en Norvège. Non, papa, c'est une image, je sais, on n'a pas d'amis en Norvège. Bon, d'accord, c'est pas de chance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu m'appelles tous les jours, t'attends? Oui, je t'appelle. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Oui. Allez, je t'embrasse, au revoir. Au revoir. Merci. Alors, ça fait 40 marques pour les téléphones, 2,50 pour les cafés. J'étais maladroit hier. Hein. J'ai pas l'habitude. Avec les femmes? Non, non, avec l'Allemagne. C'est vrai, je croyais tomber chez des nazis, je me retrouvais avec des trafiquants de tableaux. Ah, vous êtes pas au courant? Ah bah je sais pas, c'est la version de votre ami, monsieur Hermann. En fait, votre père était parti à Paris pour récupérer de l'argent. Il avait monté un trafic d'œuvres d'art volées aux Juifs pendant la guerre. Thank you.
pas là? Pourquoi vous m'avez suivi? C'est mon métier, je suis flic. Si on attendait à l'intérieur. Je comprends pas, il sort jamais avant 6 heures du soir. Et vous? Quoi, moi? Serveuse, c'est pas une vocation tout de même. Pourquoi flic, ça n'est une? Non, sérieusement, qu'est-ce que vous faisiez avant? Journaliste. Journaliste, journaliste? Non, enfin, la télé. Speakerine? Non, je plaisante. C'est vous qui les avez appelés? Les flics, c'est vous qui les avez appelés? Vous se tirez. Par où? Venez. Venez. Vous savez sur lui. Quelqu'un a attendu que vous soyez là pour appeler les flics. Je suis désolé. J'ai trouvé ça chez Herman derrière la bibliothèque. C'était caché dans une mezouza. Ça remplaçait le rouleau de prière. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de propriété. Ça dit que la maison appartenait à M. Stein. Stein? C'est pas possible. Elle était aux parents de mon père, cette maison. J'y suis née. Léopold Stein?
C'est ça? Oui. Léopold Stein. S-T-E-I-N. À Yad Vashem, papa. Au mémorial. Tu demandes le bureau des archives. À Jérusalem? Et bien sûr, à Jérusalem. Refusé. Voilà, et tu te renseignes sur toute la famille Stein. D'accord. Vas-y tout de suite, ouais. Et tu m'envoies un fax au numéro que je t'ai donné à Berlin. D'accord, j'y vais tout de suite. Je t'embrasse. Ouais. Celui-là, je connais bien. On était ensemble au geste communiste. C'est fou. Et t'as fumé tout ça après la chute du mur? Ouais. Tu vois ces skins? Là, ils jouent exactement le même rôle que les SA-33. Je suis sûre que c'est eux qui ont tué Herman. Pourquoi? Il a dû fouiller là où il fallait pas. C'est pas lui, ça? Oui. Qu'est-ce qu'il foutait avec eux? Il s'était infiltré? Pour faire des photos. C'est là-dessus que je travaillais avec lui. Il m'a aidé à trouver des documents. Je voulais faire un livre. Regarde-moi ces malades. Ils sont tellement jeunes, en plus. Et c'est pas seulement l'Allemagne. Ça concerne toute l'Europe. On appelle ça l'International Noir. Ça, c'est le plus écœurant. Le mensonge d'Auschwitz. 6 millions, sont-ils vraiment morts? Regarde. C'est pas Genoux, ça? Oui, François Genoux, le banquier suisse. C'est lui qui a publié les testaments politiques d'Hitler. Mais c'est pas pour ça que je le connais. Il était mêlé à une histoire de vente d'armes au Proche-Orient. Bien sûr. Il était associé à Rückenberger, un ancien SS qui s'est réfugié là-bas. Tu te souviens de Gorgi, l'Iranien qui était mêlé aux attentats des 4-6 à Paris? Un peu, oui. Regarde, c'est un chèque qu'il a fait aux éditions Ogmios. Ah ouais, c'était dans Canard. Voilà ce qu'ils éditent. Ils sont négationnistes et antisémites. C'est incroyable, non? Ça t'étonne? Il y a plein de pays arabes qui financent l'extrême droite. L'Iran, la Libye, la Syrie, ils font ça depuis toujours, c'est logique. Pourquoi? Qui a le plus intérêt à nier l'existence des chambres à gaz? Selon eux, si l'Holocauste n'a pas existé, l'État d'Israël tient sur un bluff. It's for our best time. Monsieur, il y a beaucoup de Stein ici. Léopold Stein de Berlin, il m'a dit mon fils. Berlin. C'est qu'il y en a des noms ici. Oui. Sam, c'est le fax. Herman avait raison. Katz m'a raconté n'importe quoi. C'est bien une histoire de tableau volé. Stein, marchand d'art, massacré par les SS dans leur maison de la banlieue de Berlin. Pas de survivants. Toute la collection a été pillée par les nazis. Il m'aurait pas menti. Pas mon père. C'est pas possible. Elle était à nous, cette maison. Non. Elle était pas à vous.
Laisse-moi. Non. On n'a rien à faire ensemble. Moi, je crois que si, au contraire. Tu laisses jamais tomber, hein? Non. Mais qu'est-ce que tu cherches, là? Tu veux quoi? Que je demande pardon? Que je dise, je suis désolée pour les Stein. C'est pas moi, c'est Hitler. Ben voilà, c'est fait. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ça changera quoi de savoir? Je m'en fous de la vérité, t'as pas compris? Je veux rien savoir. Marc, t'as peut-être raison. C'est plus simple comme ça. On va oublier tout. Ton père, la guerre, les Stein, pourquoi ils ont été massacrés. C'est vrai, après tout, qu'on s'emmerderait avec tout ça. Le passé, la mémoire, la vérité. Ça encombre. Salut. Non, reste. Je suis désolée. This is a CNN special report. Pentagon officials say the decision has been made to activate U.S. reserves in support of Operation Desert Shield. It's the first time they have been called up since the Vietnam War. Officials say the White House will make the formal announcement soon. Pentagon officials want to... Emma? Denn hier? Hermann ist tot. Und seit zwei Tagen habe ich nichts von dir gehört. Ich habe mir Sorgen um dich. Du sollst nicht kommen, ohne vorher Bescheid zu sagen. Wieso, was ist mit dir? Du bist nicht allein. Wer ist es? Sag mir, wer es ist. Wer ist es? Das kann dir egal sein. Willst du mich verarschen? Gib mir die Schlüssel zurück. Gib mir die Schlüssel zurück! Schlampe! Wo ist er? Qui est? Sag nichts! Demande-lui ce qu'il foutait à Paris quand ton père est mort. Du warst in Paris? Warum hast du mir nichts gesagt? Et qui c'est lui qui a tué Kat? Tell me who killed Kat, right now. On peut pas rester là.
Qu'est-ce que c'est? Mais arrête d'avoir peur, merde! Fais-moi confiance. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de mon père. Elle montre le faisait chanter. Il le supplie de me laisser hors de tout ça. Il lui jure qu'il n'a plus d'argent à lui donner. Il dit que la seule solution, c'est d'aller à Paris. Il faut pas rester ici. Faut que tu me dises tout ce que tu sais, moi. Tout ce que tu sais. Il y a un malade qui nous court après. C'est lui qui a tué Herman. Helmut est dans le coup, je suis sûr que c'est eux qui ont tué Kat. J'ai peur. Moi aussi. Descends vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends la voiture, tu vas à mon hôtel, tu t'enfermes dans ma chambre. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Vite, dépêche-toi. Jan speaking. Could I have extension 124, please? Hello? Yes, I'm not alone anymore. Stand up, slowly. Turn around. Who are you? Come on. Answer. Hello. Yes. It's for you. Hello? Yes? You're Mr. Bellamy. So you know who I am? I think we should talk. Okay, let's meet. No problem. In our office. No, I prefer a public place. Lovely. Where? Santa Claus. Okay. Lazzo plates? Excuse me! Oh! You have a little red dot on your shirt. Comes from the building opposite. 15th floor. You also have another little red dot on your forehead. Comes from the window next to it. Would you mind if I borrowed your paper? Thank you. Goodbye. Je suis très contente de faire votre connaissance, inspecteur. Je ne vous imaginais pas aussi jeune. On a beaucoup parlé de vous, bien. Mais rien ne vaut le contact humain, comme on dit, non? Ah, le tireur sur les toits à Paris, c'était vous? Alors, si on avait voulu vous éliminer, on vous aurait pas raté. Et on, c'est qui? Nora Winter. Diplômée des Beaux-Arts, expert auprès de l'ORPJ. Qu'est-ce que c'est l'ORPJ? C'est l'Office de recherche du patrimoine. Mon travail, c'est de retrouver la trace des œuvres d'art volées aux Juifs pendant la guerre.
Je savais pas qu'il y avait une section tireur d'élite aux Beaux-Arts. Ce sont des milliards qui sont en jeu, monsieur Bellamy. Il s'agit d'un trafic international. On a retrouvé récemment un Dürer et un Kandinsky vendus pour 5 millions de dollars à Oslo. Il y a des revendeurs à Madrid, à Bruxelles. 4 à Paris. Entre autres, oui. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà. C'est à cause de ces trois tableaux qu'il a été assassiné, votre ami. Et alors? Ils sont évalués à plus de 10 millions de dollars. Et alors? Et alors, vous allez nous aider à les retrouver. Quand vous aurez quelque chose de plus convaincant à me raconter, vous me ferez signe. Monsieur Bellamy? Votre amie Emma Guter est impliquée dans ce trafic. Non. Mais je suis con. Quel con. C'est vrai, chaque fois qu'une femme est un peu... ou même très... je plonge, je me fais avoir. C'est surprenant parce que vous avez l'air plutôt... et même assez... Bon allez, ça va, vous allez pas me faire croire que des tableaux volés il y a 50 ans intéressent à ce point-là le Mossad. Le Mossad, pourquoi pas le KGB? Je sais pas, c'est à vous de me le dire, ça. C'est le KGB. Je plaisante. Très drôle. Eric. Bon allez, ça va, dites-moi la vérité. Tenez, soyez prudents, c'est important, croyez-moi. Est-ce que vous allez me suivre, vous voulez pas me déposer? Ça se met. Dans la chambre, je t'attendais. C'est Helmut que t'appelais, là? Non, sa mère. Elle sait pas où il est. Il faut que je le trouve, il faut que je lui parle. Comment j'ai pu croire à un type pareil? Ouais, t'es marre, arrête. Tu vas me faire pleurer. Depuis le début, je te trouve... bouleversante. Je me tire, j'étouffe ici, je supporte plus. Les mensonges, les doubles jeux. Tu comprends? Non? C'est dans ton sac. Pourquoi? Ton sac! Tu as déjà fouillé hier. Ah ouais? J'aurais dû mieux fouiller alors. T'as besoin d'un revolver? T'as peur de qui, toi? Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Qu'est-ce qui prouve que tu me racontes pas n'importe quoi? Toujours les larmes au bord des yeux. C'est facile d'attendrir. Pour ton père, pour Herman. Helmut, je le tenais! Sans toi, jamais il aurait pu partir! Maintenant, on sait plus où il est. C'est pas de chance, hein? Tu t'es demandé avec quoi il faisait chanter ton père? Avec ça. C'est pour ça qu'il est mort, Herman. Pour un Chagall, un Sisley et un Gauguin. Et tu le sais depuis le début. Où tu les as trouvés? Tu les connais? Tu les connais? J'avais 7 ans, j'ai joué dans le salon. Je montais sur les étagères pour faire de l'escalade. Mon pied a touché un levier. La bibliothèque a pivoté. J'ai trouvé la cachette. Quand j'ai vu les tableaux, je les ai sortis pour les mettre dans ma chambre. Ma mère m'a demandé où je les avais trouvés. Mon père s'est mis en colère. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à se disputer tous les jours. C'était affreux. Ma mère pleurait sans arrêt. C'était juste avant qu'elle meure. Comment est-ce qu'elle est morte? Elle s'est tuée. C'est à cause de moi. Ça, c'est la dernière photo que j'ai d'elle. Tu lui ressembles. Allô? Maman, allô? Maman. Je comprends rien, là. Bien? Je comprends pas, c'est une femme qui dit s'appeler Helena Guter.
Elle veut nous voir, elle dit que c'est urgent. Elena Guter. Tiens, regarde, c'est sur Morel. Ça tient pas debout. Il n'a jamais eu de sœur, mon père. C'est un piège. C'est une station de métro, ça? Non, un passage pour aller à la statue. Il est armé. Tu gardes la main dessus en permanence. Vas-y toute seule, moi je te rejoins par le souterrain. Großeltern, die hießen Rosa und Rainer und wohnten in Göttingen. Dein Vater hat einmal einen kleinen Hund von seinem Vater geschenkt bekommen. Der hieß Struppi. Alors? Simplement la sœur de mon père. Comment elle a fait pour nous trouver? Elle a reçu une lettre anonyme avec ton nom et l'adresse de l'hôtel. Elle dit que toi, tu pourras tout expliquer. Das ist das Kriegstagebuch deines Vaters. Dein Vater, das war ein Held, er war ein ehrenhafter Mann, er liebte sein Vaterland. Du hast seine Augen. Ich hab dich gleich erkannt. Du bist meine kleine Nichte. Nein, obwohl ich nichts von dir gewusst habe. 40 Jahre hatte ich keine Familie mehr. Auf diese Art von Familie kann ich verzichten! Sorry. Moi, tu pourras plus me regarder sans y penser plus jamais. T'es pour rien, Emma. T'as rien à voir avec ça. J'ai besoin d'être seule. Emma, il y a quelqu'un qui nous manipule. Il fait ce qu'il veut. Il faut qu'on se plante quelque part. Je peux pas te laisser tout seul. Emma! Vous savez comme je me sens sale, quand j'ai honte. Toute ma vie m'a menti, mon père. Le 17 septembre 40. Cette nuit, Heinrich a baptisé notre division. Désormais, nous nous appelons les Jung Siegfried. La cérémonie a été un grand moment. Il a attendu que la famille Stein soit au complet. Ils étaient neufs dans cette maison. Heinrich les appelait par leur prénom. Il les a tués les uns après les autres. On s'est promis de garder cette maison pour nous quand la guerre sera finie. C'est une demeure somptueuse. Les liens se resserrent entre Heinrich et moi. J'ai l'impression d'avoir trouvé un frère. Le 3 janvier est sorti de notre division dans un village en Pologne. Karl Heinrich est de plus en plus inventif. Parfois, il me fait peur, mais il est admirable. Arrête maintenant. Le 11 juin 43. Hier soir, je me suis violemment heurté à Heinrich. Il a fait venir un caméraman de Berlin, Herbert Grass. Herbert Grass, c'est le père d'Helmut. Heinrich veut que toutes nos opérations soient filmées en détail. Il tient à bâtir la légende de notre division. C'est contre le règlement et je trouve qu'on perd du temps. Allez, rentre. 22 octobre 44. Heinrich expérimente de nouvelles méthodes. Ça suffit. Il a dressé des chiens pour arracher les parties génitales des Juifs, pendus par le bras. Arrête. La mort par hémorragie dure environ 15 minutes. Arrête ! 1er novembre 44, avons réceptionné un convoi de femmes et d'enfants. Je te mentis. Depuis le début. Vous savez? Maman s'est tuée quand elle l'a su.
Moi, je n'aurais pas le courage. Je savais, je m'en doutais. J'ai cette chose-là depuis toujours. Cette horreur à l'intérieur de moi. Tu peux pas savoir comme ça fait mal. Il n'y a qu'à toi que je pourrais me parler, je peux pas. Je peux pas. Bata, laisse-moi, laisse-moi. Emma. Emma. Tu crois pas que tous les enfants des nazis, même si on leur a menti, même si on leur a caché la vérité, tu crois pas qu'au fond d'eux, ils le savent? Alors, ils peuvent pas vivre? Mais il faut vivre, justement. Il faut vivre pour que personne n'oublie. Pour montrer que les enfants des bourreaux sont aussi des victimes. Faut que j'aille jusqu'au bout. Que je sache tout. Tout, absolument tout ce qu'il a fait. Il faut que j'apprenne à vraiment le haïr. Ça a dû être terrible pour elle de lire le journal de son père. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est moi qui vous ai envoyé la vieille hier. J'étais obligé. Si je t'avais dit la vérité à Paris, tu ne m'aurais pas cru. Et comme il est dit dans le Talmud, la vérité ne se cache pas derrière les apparences. Car derrière les apparences, il y a d'autres apparences. Qui on a enterré à ta place ? Un des types qui était à Paris avec Guter. Il a voulu me tuer. Je me suis défendu. Et puis, j'ai eu cette idée. J'ai fait sauter le magasin pour disparaître. C'était la seule solution. Tu m'as enterré. T'as eu de la peine, je sais. Mais j'avais pas le choix. Touche pas. Même à toi, tu comprends pas? Oui. Mais t'avais pas...
pas le droit de dire ça. Il y a 20 ans qu'on se connaît. C'est comme mon père. Tu penses que ça veut dire que quelqu'un en terre? Würden Sie mir ein Taxi rufen, bitte? Tu as cru que je trafiquais des tableaux volés en outre par les nazis? Eh bien oui, c'est vrai. C'était le seul moyen que j'avais de m'infiltrer au milieu de ces gens-là. Tu ne crois pas? Tu m'as tellement menti. Écoute-moi. Écoute-moi avant de me juger. Günther avait un chef, Karl Heinrich. Une ordure, un salopard, une bête sauvage. Toute ma vie, ça. Toute ma vie, j'ai espéré retrouver un jour Heinrich et le tuer de mes propres mains. De mes propres mains. Joseph. Oui. En 44 à Berlin, il n'y avait plus de juifs depuis longtemps. C'est vrai. Il n'y avait plus de juifs ici. À part une famille terrorisée, la mienne. Tu vois, pour vous, les séfarades, la Shoah, les camps, ça fait partie de l'histoire. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut l'avoir vécu dans sa chair. Guten Tag. Wohin? Ost-Berlin, Filmarchiv, bitte. Wilhelmstraße 43. Tu sais combien de temps on est resté caché dans cette petite pièce humide, sans lumière? 3 ans. On dormait par terre, entassés les uns sur les autres. Assieds-toi. Merci. Et puis un matin, le gardien nous a dénoncés. Moi, j'étais parti chercher de l'eau derrière la maison. Tu vois à quoi ça tient? J'ai réussi à me cacher dans le jardin. Mais j'ai tout vu. Et je n'oublierai jamais. Günther les a alignés côte à côte. Et Heinrich les a tués. Un par un. À bout portant. Tu veux que je te raconte ce qu'il a fait à ma petite sœur, Sarah? Non. Tu m'as jamais raconté tout ça. D'accord. Allô, Yann? Ok. Nachrichten bei dir hinterlassen. Vergiss nicht, dass morgen dein Bruder Geburtstag hat. Ruf mich an. Ich mache mir wirklich Sorgen. Jung Siegfried. Sichere Dokumentarfilme.
Richtung Siegfried. Geben Sie mir Herrn Bellamy, bitte. Les films, c'est Helmut qui les avait. Son père, c'était leur caméraman. C'est comme ça qu'il faisait chanter mon père. Attends. T'es où, là? À la télé. Donne-moi l'adresse. C'est loin? Non, non, près de l'ancienne gare. Ok, j'arrive. Please, I'm Mr. Bellamy. If someone calls me, you can just say I'm coming back in 2 hours? Yes. Ok, thank you. I'm sorry, have you seen the guy I was with? The old man with the beard. He's just gone. Je compte sur toi, je te rappelle bien demain. Kannst du bitte die letzte Rolle einlegen, bitte? Ich bin fertig. Ich bin gleich an. Ils ont tout filmé les meurtres, les pogroms. Pas c'est vrai. C'est lequel, ton père? Avec la petite, là. C'est chez Herman, ça, non? Ah oui. C'est la bibliothèque. Et puis, un matin, le gardien nous a dénoncés. Moi, j'étais parti chercher de l'eau derrière la maison. Tu vois à quoi ça tient. J'ai réussi à me cacher dans le jardin. Mais j'ai tout vu. Et je n'oublierai jamais. Tu veux que je te raconte ce qu'il a fait à ma petite sœur Sarah? On dirait qu'il filme en cachette. C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Arrête l'image, là. Arrête. Sam.
Was wollt ihr? Quoi on joue là? Désolée, on ne pouvait pas faire autrement. Où est-elle? Ne vous inquiétez pas, elle est en sécurité. Et puis ce n'est pas elle qui nous intéresse, c'est vous. Moi? Le flic ou le chasseur de nazis? Les deux, monsieur Bellamy. Ça fait combien de temps que je travaille pour les services secrets israéliens? Depuis que tu as libéré Katz à Paris, au lieu de l'arrêter. On était sur le point de le coincer quand il a tué Cutter. Qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? S'il vous a pas éliminé encore, c'est qu'il a besoin de vous. Et s'il a besoin de vous, il va vous contacter. Faut-il le protéger. Et vous allez trouver que moi? Tout ce qu'il mérite, c'est une balle dans la tête. Sur ce point, on est d'accord, non? Mais aujourd'hui, il s'agit de la sécurité d'Israël. חושב שאפשר לפתוח פה? לא יודע. זאת החלטה שלך, נורא. את יודעת מה דעתי. הוא הולך מכיוון הדלת. מתקשריים. ממשיכים. הלו. הלו. דן. ממשיכים. אוקיי. גמרתם. אתה בטוח? כן. יאללה. טוב, je vous dépose où? Attends. Attendez, attendez, expliquez-moi parce que moi je comprends rien là. Ne vous inquiétez pas, votre ami va très bien. Mais il est où? Ne vous inquiétez pas, où est-ce que je vous dépose? Chez moi. 25 Weichstrasse. Ça va, je connais. Vous ne pouviez pas savoir. Regardez Eichmann. Vous savez comment il a réussi à tromper, à endormir et à exterminer des millions de gens? Il parlait yiddish couramment, on le croyait sur parole. Il disait, c'est pour vous protéger quand vous mettez dans des camps. Vous n'avez rien à vous reprocher, ça. Vous ne pouviez pas imaginer qui était Katz. לראות את התמונה של הקפה. Voilà. Depuis plus de 7 ans, votre ami est en relation avec cet homme-là. Kamal Abtoussaoud, le service de renseignement irakien. Ils ont commencé à se servir de Katz en 85, au moment du premier embargo contre l'Irak. Pourquoi faire? Benny, Nafa. Pour qu'il fasse pression sur les industriels allemands qui avaient quelque chose à cacher depuis la guerre, c'est ça? Exactement, monsieur Bellamy. Ça s'appelle le chantage. Tu acceptes de contourner l'embargo? Et je dirais pas que t'étais nazi. C'est aussi simple que ça. Je m'appelle Offer. Enchanté. Excuse-moi en français. Il n'avait pas toujours eu besoin de faire du chantage, d'ailleurs. Il y avait quelques-uns qui étaient ravis de marcher dans la combine. Évidemment, tout ça est clandestin. Vous pensez bien que le gouvernement allemand n'est pas en courant. Charles, que veut le café? Kambishvili? Bon, écoutez ça.
Entre 82 et 89, plus d'un milliard de Deutschmark, d'armement conventionnel, stratégique, nucléaire ou chimique, a été livré à Bagdad. Parmi les entreprises à travers le monde qui ont violé l'embargo, bien sûr, il y a des Françaises, des Anglaises, mais 70% sont allemandes. Toda. Ce sont les chiffres de l'ONU. On n'invente rien. Mais ce qu'il se passe aujourd'hui est encore plus grave. Et votre salopard de Heinrich, qui a participé à ça, est en train de négocier son installation à Bagdad en contrepartie de ses bons et loyaux services à la cause. Pour eux, le travail n'est pas fini. Hein, vous comprenez? Vous comprenez? Vous l'avez vu. Et lui, devant la brocante, c'est qui? Au calate. Votre chef est chez un aspect. Ken. Ça, c'est du parc. Un marchand d'art pas très scrupuleux. Il a une galerie en Suisse. C'est grâce à lui que Katz a mis de côté autant d'argent. Mais depuis son faux suicide, ses comptes sont bloqués. Il n'a plus rien. C'est pour ça qu'il a pris le risque de venir ici à Berlin. Pour retrouver les tableaux. Il est bien trop malin pour partir en Irak sans assurer ses arrières. Eh oui, monsieur Bellamy. Ouah! C'est un geshe! Achaltem? Mao seka. Mato sefo. Efoui! Kol besede! Kol tempé! Khatichat metumtam. Tamot po baltazouz. הוא השאיר אותה לבד. אנחנו בצרות. התקשר אליה. יהודית. מה קורה? אורי, תגיע אליי. כן. תארגן את הרכבים. אוקיי. בני, רוזן, אחריי. הגיע. תשכי לה. כוח, הוא לבליסי סל? יש לנסה פסקי זה פסי. What happened? Where is she? Hey, she's home. Don't worry, don't worry. Je ne peux pas rester ici. J'ai trop peur. Je vais dormir chez une amie. Je n'arrête pas de penser à toi. Je crois que je t'aime. Emma. Kol ha'tachanot, kol ha'tachanot mibarak. Matzanu oto. S'occupe de la propre affaire. Avant de s'occuper de ce que je fais. Seinem Reden nach hat Jean-Marie Le Pen schon jetzt gewisse Geiseln befreit. Lächelnd empfängt Saddam Hussein direkt nach der Ankunft eine Premiere für einen ausländischen Besucher, den Mann, der sicherlich sein bester Verbündeter in Frankreich ist. Das Treffen wird im irakischen Fernsehen übertragen, begleitet von klassischer Musik. Am Ende des Gesprächs erklärt der Führer der französischen Nationalen Front: Alta Zuzo Mikanschelo et Hamekla, Mutizaru. Bataille. Romain. Romain. Les Coulam. את החדר והולך לכיוון היציאה. אנחנו במקום. מיכל, את שומעת? כן, אני שומעת.
Humbert, import, export, Hambourg. Katz, Katz, Katz. Ok. Allons, Vina, on m'a relité à l'export. זה יכול להיות, הוא הכיר את האיש 20 שנה ולא הרגיש כלום, לא חשד בשום דבר. פשוט אהב אותו. יאן, זהו בטלפון. בלמי! קיבלתי, אוקיי. סם! אלי! אין מומנט, ביטה. שרצי דרך. הלו. Oui. C'est moi. Oui, Joseph. Bon, déjà ? Où ça ? 20 terrasses, Wilhelm Platz, pour moi. Ok. Dans une heure, ça te va ? D'accord, à tout à l'heure. Die Karte, bitte sehr. Herr Ober. Herr Ober. Ja, bitte, Sie wünschen. Il est armé. Il y a plein d'enfants. Il faut gagner du temps. On a besoin d'un quart d'heure. Pas de problème. Yann, plus tu y as. Tag, folgen Sie mir bitte. Ach so, wenn du willst, ja. Auf unsere Gesundheit. Prost. J'ai commandé depuis quel flash? Tu connais? Non, mais je te fais confiance. Sérieux? Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais c'est incroyable ce que ça te change. Le... Mais c'est mieux, non? Je ne trouve pas que, ça rajoute. Mais je ne disais pas mieux, Stan? Ja, bitte, diese Freine. Là, je dis route. Je vais vous acheter. Tu manges pas? Si, si. Tu crois pas que je devrais boire la vie buteur? Quoi? Je me sens coupable. Dis-moi, il y a quelque chose entre vous? Non. Elle est jolie. Kannst du aufstehen, mein Junge? Sei nett. Sofort aufzustehen. Dankeschön. Bitte sehr. Tu penses pas qu'elle pourrait nous aider à retrouver Heinrich? Elle, elle doit savoir où sont les tableaux. Parce que si Heinrich est revenu à Berlin, c'est ça qu'il cherche, évidemment. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est à Berlin? Qui est-ce qui a retrouvé Hermann Sinou? J'ai lu les journaux. C'était affreux. Bon, admettons. Admettons qu'on retrouve les tableaux avant Heinrich. Comment on fera pour coincer? Il n'a pas d'acheteur. Moi, j'en ai un. Tout ce qu'il veut, lui, c'est de l'argent. C'est comme ça que j'ai eu Goethe. C'est comme ça qu'Heinrich va tomber. Évidemment qu'il va tomber, il a perdu, c'est fini. C'est dommage, mais il avait réussi à se faire oublier, à se fondre dans la masse. On le voyait plus bouger, un peu comme un caméléon. Tu te rappelles l'histoire du caméléon? Non, tu te rappelles pas. Deux solutions. T'attaques, ou tu restes à l'abri en attendant que je fasse une bêtise. Est-ce que tu crois que je vais faire une bêtise? Tu la feras, forcément. Tu l'as déjà faite. Je te connais par cœur. Tout seul, t'arrives à rien. Klein avec ça. N'aie pas peur. Ils te tueront pas, ils ont besoin de toi. Los Azim, plus beaucoup d'heure. Qui sont tous ces gens qui ne me veulent pas de mal? Des juifs. Ils viennent d'Israël. Tu sais, le grand ghetto là-bas.
pauvre Sam. Tu dois être déçu. Tu te souviens quand je te prenais sur mes genoux et que je te chantais Mantele à voilà boucha, mantele à grosse spets, mantele à tatslouche, mantele à vena maladiette, mantele à voilà boucha, mantele à grosse spets. Je te tuerai. Si t'as envie, moi je te tuerai. Deutsche Polizei! Police allemande, ils ont de l'humour, tes amis. Das wär's, Heinrich. Es ist aus, sie haben keine Wahl. Hände hoch! Mr. Bellamy, please get up and get out of here. Si tu laisses en vie, moi je te tuerai. C'est moi qui ai la petite. Si tu veux la revoir, sors-moi de là. Get away from that table, officer! N'allez pas raconter, Aura! Sam, je peux pas rester ici, j'ai trop peur. J'arrête pas de penser à toi. Je crois que je t'aime. C'était bien trouvé ça, non? Je crois que je t'aime. Elle est dans une cave. Personne ne l'entendra crier. Ça risque d'être long dimanche. Et toi? Avancez! Recule, cigare et derrière. Vous faites une grave erreur, inspecteur. Vous ne mesurez pas les conséquences. Si vous me suivez, je n'hésiterai pas. Relax, Bellamy. Relax! Afra de la Zouz. Regarde! Au devant! Au devant! Yes! Ça, si! Tu as fait l'air? Ça roule! Toi, טוב, יודע איך אין כל מה שצריך ברכב, אפשר להמשיך כרגיל. כן, ממשיכים. דון. J'ai le sac des mains avec moi. Je l'avais pourtant appris, hein. Les pièces sur un échiquier, il faut les sacrifier. Jamais s'y attacher. Surtout pas à la dame. C'est curieux, ne suivent pas tes amis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quoi? Là, je te reconnais, c'est comme ça que tu me plais, que tu prends les risques. Tu veux que je te dise, Joseph? J'aime quand tu m'appelles Joseph. T'as peur. Et ça se voit. Rega, on a changé de kivoun. On a lancé Sosna. Sosna? C'est derrière que tu te dis. C'est Mouza. Nora, tu m'as. C'est très mouzard. Yann, ne m'échange pas ta tournée. Tout ce que je dis, Nora, c'est qu'ils m'achlifent le kivoun, qu'ils nous sont derrière la dite, ok? Dai, m'appique. Ok, l'homme est carvim. Uri, l'homme est carvim, m'achlifent le sort. Ok. Arrête-toi là. Allez, descends. Saloperie, saloperie. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Vous ne pouvez pas l'amener avec moi au restaurant, quand même. Vous savez que vous êtes bouleversants, tous les deux. Ah non, 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 c'est vrai. C'est émouvant de vous voir ensemble. Samuel Bellamy et la fille de l'Obersturmführer. Réconciliés, enlacés. C'est plein d'espoir. Pas les mains, Sam. Pas les mains. Allez, recule. Viens. Allez, vas-y! Assieds-toi, ma jolie. Ils étaient deux à Paris avec ton père. Ton fiancé et un grand avec une queue de cheval. Il est où, lui, hein? Je sais pas.
malade, Joseph. T'as dû souffrir. 40 ans sous la kippa, il y avait de quoi devenir fou, non? C'est vrai que par un moment, je savais plus où j'en étais. Je voulais même payer sa bar mitzvah. Des appels comme t'étais sérieux. Déshabille-toi. Das wichtigste war verhören ist die richtige Vorbereitung. A poil, Daddy! Je t'ai jamais parlé de la famille Stein. J'ai grandi avec eux. Enfin, pas loin, dans le jardin. J'étais le fils du gardien. Du kennst das Haus, du bist ja auch da geboren. Schnell! Los, schneller! Ils m'ont tout appris, ces gens-là. Pas seulement à courber la tête et à gémir en priant. Ah non, non, non! Sur la nature humaine aussi! Les chaussettes, Sam. Faut retirer aussi les chaussettes. Allez, allez! Il me regardait de haut. Mais il m'invitait pour le goûter. Quand le vieux Stein voulait me renvoyer chez moi, il sortait sa montre de son gilet. C'était le signe, il fallait que je m'en aille. C'était une montre en or. Elle était juste à hauteur de mon visage. Pour moi, le pouvoir, c'était avoir cette montre. À poil, j'ai dit! Alors, quand je suis revenu à Berlin en 44 et que je les ai trouvés planqués comme des rats derrière leur bibliothèque, le bonheur que ça a été de balayer tout ça en deux minutes. Comme ça. Ils sont où mes tableaux? Je sais pas. Ça, mon hübsche. Laisse-la tranquille, Joseph, elle sait rien. Mais si, elle va se rappeler. Liegt eine Plane. Geh, schau dir mal an, was drunter liegt. Na los, geh schon! Los! Ja, ein bisschen! C'est toi qui as peur maintenant? Ah si, 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 je le sens. C'est curieux, la peur. Ça dégage comme une odeur. Alors, tu l'as trouvé? On reconnaît mal, hein? C'est ton fiancé Helmut. Peut-être qu'il savait rien en fait. Au lieu de pleurnicher, dis-moi où ils sont. Tu veux que je fasse la même chose à Sam? Ça m'a pris toute une nuit. Ich weiß nicht. Glauben Sie mir, glauben Sie mir. Das interessierst du mich auch nicht. Arrête! Je sais où sont les tableaux. Ils sont à un bout. Laisse-la. Allô, du parc? Oui. Katz, je vous réveille. Non, vous les avez? Oui, je vais les avoir tous les trois. Bien. Alors ce soir, 11h à Hambourg. Oui, Yann. Quel hôtel vous dites? Ayat. Très bien. Et pour le paiement? Tout en liquide, bien sûr. Ce qui était convenu. Et ce soir, ça va être compliqué d'arriver à Ben, je sais pas, louer un petit avion. Qu'est-ce qu'on fait si Hans ne le sait pas? J'en sais rien, Emma. J'en sais rien. J'espère qu'il pourra t'aider. Je suis très heureux de vous retrouver, Erkan. À ce soir. Moi aussi, je me réjouis. À ce soir. Tu te rends compte, mon petit Sam? Tu viens d'échanger tes tableaux juifs contre une fille de SS. Tu as pensé à ça? Hans! Was hast du denn hier?
Wenn ich daran denke, dass ich dabei war und nichts tun konnte, das werde ich mir mein Leben lang nicht verzeihen. Ein toller Typ, dein Vater. Ja, ich weiß. Was machst du denn in Hamburg? Du bist doch nicht wegen mir hier. Doch. Echt, Emma? Das freut mich. Du musst mir helfen. Au fond, le peuple élu, la race des seigneurs. C'est presque la même idée, non? Sauf que vous, c'est la douleur qui vous grandit. Pendant 40 ans, je vous ai espionné comme aucun nazi n'a pu le faire. Le plus intéressant chez vous, c'est l'exil, le mouvement. C'est le danger qui vous va bien. Ça vous rend vif, brillant. C'est pour ça que vous êtes dangereux. Mais quelle heure là? Elle t'aurait pas laissé tomber, si? Je sais pas. Peut-être qu'elle prépare un mauvais coup. T'es vieux, t'as pas beaucoup dormi. T'as le Mossad et bientôt l'Irak sur le dos. T'as fait beaucoup pour un seul homme, non? Klar, wenn ich erwischt werde, dann bin ich meinen Job los. Wie kommen wir in die Hallen rein? Ich habe die Magnetkarte im Lieferwagen. Das sind Hunderte, die finde ich nie. Wenn es die Kiste ist, die dein Vater nach Paris schicken wollte. Das war Mitte Juli. Was ist hier los? Ja. Ich halte sie auf. Beeil dich, es gibt noch einen Hinterausgang. Danke. Da, Josef Katz, 15. Juli, Rudi Goethe, Posten 713, Halle 21. Die Polizei wartet schon auf dich. Ich bin hier angestellt, was willst du denn? Halle Zentrale, das Haus ist verschlossen. Hallo? Ich bin's. Emma! Ich hab sie gefunden. Ich hab sie. Das ist gut, sehr gut. Mach jetzt doch keinen Unsinn, wir kommen. Tout va bien. On y va. Hop. Où tu es? Attention à l'alarme. Marche au milieu, Sam. Surtout, joue pas au con. Emma! Wie wär's lieber, wenn du bei uns wärst, Emma? Eh ben voilà, c'était simple. C'est très bien. Maintenant, viens, Emma. Viens là. Non? Tant pis. Thank you.
comme une drôle d'odeur, Joseph. C'est pas l'odeur de la peur, ça? Yung Zhao. Tu l'as laissé partir. Je l'ai pas laissé partir. Herr Zuback, Zimmer 1407, 9. Stock, bitte. Dankeschön. Herr Katz, entrez, entrez. C'est un roman de faire affaire avec vous. Champagne? J'ai peu de temps, Zuback. Je peux voir. Quelle singulière manière vous avez de traiter les affaires. Depuis le temps que vous faisiez lanterner avec ces toiles. Vous les aviez égarées. C'est du Dom Pérignon, bien frappé. Je peux voir aussi. Mais comment non? Bien sûr. Les affaires sont les affaires. Et voilà, R4. Vous pouvez compter. Zéro tuto. Carazé. Je vais vous regretter, Heinrich. Vous aviez le plus souvent des toiles remarquables. Shalom. La pire chose qui puisse arriver à un criminel nazi, c'est de se retrouver entre la main du Mossad. Docteur. Allez. Demain matin. Il y a un bateau qui apparaît pour Buenos Aires. Ça vous tente? Je m'appelle Joseph Katz. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que c'est? Vous vouliez vous installer à Bagdad, monsieur Heinrich? Ah. À mon sens, c'est une erreur. Vos amis arabes vont savoir qu'on s'est rencontrés. Je m'appelle Joseph Katz. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoutez. Ce que nous voulons, c'est la liste complète des entreprises qui contournent l'embargo, la nature des marchandises, les noms des convoyeurs, leurs itinéraires. Qu'est-ce qui me prouve que... Rien. Mais vous n'avez pas le choix. Ce sont les Irakiens qui ont les dossiers. Je suis sûre que vous avez une excellente mémoire. Je suis un vieil homme, madame. Je vais vous aider. On a arrêté récemment le Pocassus, un cargo parti de Rostock pour Chypre. On a trouvé à bord le matériel pour augmenter la portée du Scud. Nous savons qu'un convoi routier est passé par Sofia, avec à son bord plusieurs tonnes de sarin, d'hypérite et de gaz moutarde, camouflés en engrais agricole. On a perdu sa trace à Istanbul. Ah, oh, pitié! Pitié, pitié! Ya, ya! Calmez-vous. Hier ist das Ticket. Das Schiff heißt Bella. Die Nummer 8. Also bitte reden Sie. Die Firma BT aus München hat Bagdad. Die Pläne für eine Fabrik von Vernichtungsmitteln verkauft. Ken. מה קורה, נורא? תחליף אותי. אוקיי. קח את הטלפון. נורא. הלו. Il ne bluffe pas. Tistakli. C'est le contrôle des exploitations du ministère de l'économie à Bonn. Ils ont enregistré les demandes de Telcom, Pfeffer, Siemens pour le Chili, le Nigeria et Chypre. Il y a trois mois, on n'a jamais vu arriver les cargaisons. Nora. Vous savez? Ken. Metsuyan.
Sava. Zéo, hocet ta carrière. Allez, viens, t'as allô? Alors quoi? Bah, je ne sais pas. Vous êtes content? C'est un peu grâce à vous quand même, non? Il part, on ne peut plus l'arrêter. Vous venez le voir? Non. On s'attaque vers là. Où est bien, Mise du Parc? Zaim Soukan. C'est Nahon, je sais, M. Soukan. Aber la marque est là, Tzmi. Sotel, je m'en sache, Chachmat. Vous vous faites dire, je m'en vais à l'école. Chafetem, je n'y t'empêche. Je m'en vais à l'honneur. Mais à ta métapère, il prie? Pas du tout. Pourquoi ils m'ont demandé de rester? Parce que t'es journaliste et qu'il va falloir raconter tout ça. Et lui, ils vont l'arrêter. Ils vont le juger. C'est comme ça que ça termine. On a conclu un marché avec lui, mademoiselle. On va le relâcher. À Paris, chez mon père, tu m'avais laissé un petit mot. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'il avait écrit déjà? Dis un kadish pour moi. C'est ça? C'est ça? Tu pourras pas. Qu'est-ce que tu crois? Pendant 20 ans, on a vécu ensemble. Je t'ai vu grandir. Je t'ai entendu rire. Pleurer. Attends. Tu me faisais répéter les prières, tu les apprenais en même temps que moi. Fais pas ça, je suis un vieillard. Continue, Heinrich. Supplie-moi. C'est la première fois que tu es à cette place. La place des gens que t'as tués. T'en as tué combien en tout? Tu les as comptés? Le chiffre tatoué sur ton bras, c'est peut-être ça, non? Joseph. Tu te souviens de leur visage avant qu'ils meurent. Si tu tires, tu pourras plus dormir. Tu ne sauras plus qui tu as tué. Katz, Heinrich, Katz. Tais-toi. Qu'est-ce que dalle, je suis un meilleur rabot.
בעוד מודי ולכי רוצה, בים לחמת רוצה. וחי יחן, ובים יחן, וחיו את כל בית ישראל. שתתו! גש בה, תביא לי סבר. Berlin, les révélations d'Emma Guther ont fait la une de tous les journaux. Le gouvernement fédéral a engagé immédiatement les poursuites économiques et judiciaires qui s'imposaient. Le 17 janvier 1991, les forces alliées déclenchaient contre l'Irak l'opération Tempête du désert. Bien que l'État d'Israël ne soit pas engagé dans ce conflit, le 18 janvier, le premier scud irakien tombait sur Tel Aviv. Abba, Carly, haïnaïm shelcha mistaklot ve'otfototi. Father, when the lights above my city go away and turn into your shade. Staring at you, I could have remembered, but now the memories begin to fade. Oh, how I would like to tell you, Father. Scared I was, and many times I cried. Should ask if you would carry further, but how could you? I was just a child, little boy. When you grow older, my little boy, you will understand. When you held me, I could hear you laughing. Although you were laughing like a train. What if I had known from the beginning? How would I have learned to hide the pain? Now the winter here is getting colder, though the cold will not erase what you have left. Carrying the weight up on my shoulder, how do you expect me to forget? Little boy, when you grow older, my little boy, you'll understand. Now I'm grown and I still wonder, Father, why this weight won't go away. Father, why this pain won't go away? And if after all you loved me, Father, I know you'd
harder. Oh, how could you? I was just a child.